Me voilà enfin arrivé à Slurpee Swamps. J'ai une idée de malade. Je vais aller prendre quelqu'un en otage. Je vais le balancer dans la cuve Slurpee. Et ensuite, il deviendra mon allié. Ah ah, allez, en route. J'ai entendu du bruit dans ce camion. Hein? Un poussin géant? Parfait. Eh oh, poussin géant, tu vas me suivre sans faire d'histoire. Piou 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 piou. Allez, dépêche-toi, j'ai pas que ça à faire. Et je comprends même pas ce que tu veux dire. Allez, dépêche-toi, j'ai pas que ça à faire. Allez, arrête-toi là, dépêche-toi. Parfait, je vais péter d'abord ça. Et ensuite, ça. Bon, le petit poussin, ce que t'as à faire, c'est très simple. Tu vas devoir sauter dans la cuve. Et dépêche-toi ou je te bute. Piou, 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 piou. Parfait, tu ne bouges pas d'ici, le poussin. Pas bouger. Piou, 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 piou. Piou, piou, piou. Piou. Piou, piou, piou. Piou, 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 piou. Parfait, tu vas me m'obéir au droit et à l'œil. Si tu m'obéis pas, je te bute. Piou. Piou, piou, piou. Piou. Piou, 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 piou. Piou. Ah. Tu m'échapperas pas. Il est en train de s'enfuir. Piou. Piou. Piou, piou, piou. Ah, il m'a échappé. Espèce d'incapable. Ah, espèce d'incapable. Ah, putain. Maintenant, il faut que je trouve un nouveau plan, maintenant. Putain. Il faut d'abord que je le course un peu. Allez, en route. Bon, on y est presque. Encore un petit peu plus de courage. Hein? Bonjour, monsieur. Bienvenue dans ma case. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Merci, c'est très gentil, monsieur. Merci du fond du cœur. Parfait, ils sont là. Ah ah. Parfait. On a bientôt tout. Tout le matériel qu'il nous faut. Parfait. Comme ça, on aura tout ce qu'il faut pour fabriquer notre arme pour vaincre Raz. Eh hey oh, c'est moi. Hein, on ne bosse plus. Ouais, mais... Marie, c'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis Marie. Oui, mais appelez-moi soldat de l'hiver. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas tirer... C'est monsieur elle, c'est ma femme. On n'a pas vraiment le choix, Midas. Je suis désolé. Bon, assez parlé. Finissons-en avec elle une bonne fois pour toutes. Oh non, j'ai plus de balles. Qu'est-ce qu'on fait, Chaos? Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas 36 000 solutions, les gars. Bon. On se tire. Venez, on se casse. Midas, on se sépare. Tu m'échapperas pas, Midas. Elle me poursuit. Ah, j'ai tiré quelques balles sur elle. Ah, putain. Tu m'échapperas pas, Midas. Mais il planquait là-dedans. Merde, c'est un cul-de-sac. Non. T'as voulu jouer plus fort, Midas. Tu as perdu. S'il te plaît, Marie. S'il te plaît. Je suis désolé. S'il te plaît. Tant pis. Je n'ai pas le choix. Je vais en finir avec toi, prends ça. Oh, oh. Tu es ma mission, Midas. Tu es ma mission. Alors achève-la. Jusqu'au bout, je serai là pour toi. Midas, c'est toi? Je me souviens qui je suis. Excuse-moi, s'il te plaît, je suis désolé. Non, Marie, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Pleure plus. C'est fini. Je suis là maintenant. Même Julie n'aurait pas voulu que tu pleures. Pense à elle.
quand je pense à ma pauvre fille Julie. J'aime ma fille Julie. Et parmi les morts, je sais qu'elle m'entend. Vite, il faut vite que je me dépêche. Marie! Chaos, on ne bouge plus maintenant. Tais-toi ou je te bute. J'ai conclu à marcher avec lui. Baisse ton arme, ne t'en fais pas. Oui, je ne suis plus méchant. J'en ai marre d'être méchant, c'est bon. Mais où est Raven? C'est qui ça, Raven? C'est pas la meuf avec sa capuche? Si, c'est elle. Oh non, vite, venez! Pourquoi tu cours aussi vite? Elle en a profité pour se barrer, pour se venger. Ah, pour venger Lara. Vite, dépêchons-nous. Vous avez vu, c'est Jones. Bon, on va le ramener à la maison derrière. Venez. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que je suis là? Oh putain. J'espère que Jones va bien. J'espère qu'il s'est réveillé. Jones, tu es réveillé? Oh. Ah, il est réveillé, c'est bon. Ça va, Jones, tout va bien? Je sais que tu n'es plus méchant, mais ça va? Oui, ça va, mais où est-ce que je suis là? Tu es à côté de Slurpee. On t'a retrouvé ici, à côté. Et ensuite, on t'a emmené dans la maison la plus proche. Merci, c'est très gentil. Et tout à l'heure, quand j'étais en train de partir, j'ai vu une cabane chelou qui n'a jamais été là auparavant. Vous voulez venir avec moi? Oui, bien sûr qu'on veut venir avec toi. Vas-y, emmène-nous. Bon, allez, venez. Laissez-moi passer. Suivez-moi. Ne vous en faites pas, c'est pas très loin d'ici. Juste à côté. Sinon, pourquoi tu t'es craché ici? C'est à cause d'Horaz, le fils de Transit. Ah, il m'a lancé un sort pour dévier mon bateau. On y est presque. Ne vous en faites pas. C'est bon, nous voilà arrivés. Regardez. Regardez ici, là-bas. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans cette cabane? On va aller voir ce que c'est cette cabane. Parce que je l'ai jamais vue auparavant sur cette île. Allez-y, suivez-moi. C'est bon, nous voilà arrivés. C'est bon. C'est quoi tout ça? Mais c'est des batarangs, ça. Bon, fouillez toute la maison. Celui qui habite ici, il doit avoir un sacré bon canapé. Bon, taisez-vous, continuez à fouiller. C'est quoi ce tableau encore? C'est pas possible. Nomad, qu'est-ce que tu fais? Je regarde s'il y a quelque chose d'intéressant ici en haut. Un trou repéré, un trou repéré. Alerte rouge, quittez immédiatement les lieux ou ça va mal se passer pour vous. Mais putain, venez, je vous dis qu'on fuit d'ici, venez. Faut pas qu'on reste là. Cette maison est beaucoup trop dangereuse. C'est qui eux là? Ils sont en train de fouiller ma cabane. Mais putain. Vous avez vu? C'est quoi ça? Putain, c'est quoi cette cabane? Mais c'est la cabane de Batman, on dirait. Oui, je crois bien que c'est la cabane de Batman. Mais je sais pas comment il s'est retrouvé ici. Parce qu'il y avait des batarangs, il s'appelait que lui. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait du coup, nous, du coup? Bon, vous, venez. Il faut qu'on s'enfuit loin d'ici. Jones, tu viens avec nous? Non, j'ai des choses à faire de mon côté. Je suis désolé, à une prochaine fois. Piou, 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 piou. Eh oh! Tu ne m'échapperas pas! Piou, 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 piou. On va avancer un peu. Hein? Un poussin géant? Hein? Piou, 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 piou. Je ne comprends pas du tout ce que tu veux dire, mon très cher petit poussin. Mais si tu veux, tu peux monter dans ma voiture. Parce que là, t'as l'air tout paniqué. On dirait qu'on te poursuit. Piou, 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 piou. Bon, allez, c'est parti. Allez, on y va. Non, il s'enfuit. Il faut que je poursuive. On se poursuivait. C'était bien assassin de la flèche. C'est quoi ton petit nom, mon petit poussin? Piou piou. Je comprends pas du tout ce que tu veux dire, mon très cher ami. Et je vais t'appeler Piou Piou. C'est bon. On peut descendre. Piou 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 piou.
Bon, de rien de t'avoir sauvé, mon très cher petit poussin. Bon, moi, j'ai des choses à faire de mon côté, je suis désolé. Au revoir. Piou, 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 piou. Oh, mais je peux pas l'abandonner comme ça. Il peut être ton ami, Jones. Bon, tant pis. Bon, allez, viens, piou, piou. Tu peux rester si tu veux. Tu peux venir avec moi. Piou, piou. Piou, piou. Piou, 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 piou. Bon, allez, tu peux venir. Allez, viens, on y va. Bon, avant de rentrer, on va avancer un peu ici parce qu'on a déjà... On n'a jamais vu ce coin de l'île par là. On va avancer un peu. J'espère que ça nous emmène de quelque chose de bon ici. Ne t'inquiète pas, nomade. Regardez là-bas, une île. Bon, on fait quoi? On va s'approcher un peu? Pas bête. Bon, allez, venez, on y va. J'espère qu'on trouvera quelque chose de bon sur cette île. Parce que sur cette île, j'en ai jamais vu auparavant. Allez, venez, on nage. Ça y est, nous voilà enfin arrivés. Oh merde, c'est Raz. Venez, il faut qu'on le prenne par surprise. Je crois qu'il est en train de méditer. Non. Eh, vous là. Mais... Vous êtes sorti de prison. Dégagez d'ici ou je vous bute. S'il vous plaît, monsieur Raz. On n'a rien fait. On a juste voulu visiter toute votre île. On savait pas que c'était à vous. On est désolé. D'accord. Et pourquoi vous êtes sorti de prison? Vous avez été accusé. Vous devez retourner en prison pendant 3000 ans. Parce qu'on a été emprisonné à cause de l'assassin de la flèche. On a juste visité sa tour et elle nous a accusé juste pour ça. S'il te plaît, ne nous tue pas. Bon, d'accord. Je vais vous laisser une chance. Ne la gâchez pas. Si vous venez dans mes plans, je vous remets en prison ou je vous bute. D'accord. On s'en va. Bon, venez les filles. Il est temps qu'on aille voir ailleurs. Encore 1000 excuses, monsieur Raz. 1000 excuses. Mais j'espère que c'était une... Vous n'allez pas conquérir ce monde avec cette île. Allez, venez, on y va. Vite, dépêchons-nous. Vite. Pourquoi ils s'enfuient ceux-là? Il faut que je m'occupe d'eux. Attention, on nous tire dessus, vite. Vous allez pas m'échapper. Vite, je sais où on va se planquer. On va se planquer dans la station essence. Ici, c'est parfait ça. Venez, c'est bon, ça y est. J'espère que celui qui nous a tiré dessus, il ne nous vaut rien de mal. Ce n'est pas Raz, de toute façon. Oh non. C'est ce que je pense. Je crois que c'est Batman. Vu qu'on a fouillé sa cachette, je crois qu'il nous a retrouvés. Oh non. Je crois qu'il va nous en vouloir. Je crois qu'on est des méchants pour lui. Il faut qu'on se cache. Non. Je connais une cachette. Où est-ce qu'on pourrait se cacher? Vous en faites pas. Allez, venez, suivez-moi. En fait, c'est parfait. C'est juste à côté. C'est parfait, ça. Ça y est, nous voilà enfin arrivés. Parfait. Voilà un bon endroit où est-ce qu'on pourrait se cacher. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Venez, d'abord, on découvre un peu la maison, et ensuite, on commence à bosser un peu. Oui, c'est pas bête ça. J'espère que Batman ne va pas nous retrouver. Il croit vraiment que je peux pas le retrouver? Ah, ah. Bon, il est temps pour moi de passer à l'action. Ils vont payer. Je vais les capturer, et ensuite, les mettre en prison. Ah, c'est criminel. Bon, j'ai pas le choix. Je vais devoir l'appeler. Là, j'ai vraiment pas le choix. J'ai besoin de lui. Il est plus puissant que moi. Et pour l'instant, avec mon corps en argent, je suis quand même assez puissant, mais pas trop. Et il me faut lui. C'est le seul à pouvoir m'aider. Avec Tarana, on va les détruire aussi. Bon, j'ai pas le choix. J'espère qu'il est encore là.
parce que j'ai vraiment besoin de lui pour conquérir ce monde. Ah ah, bon, allez, en route. Je ressens une force, mais plus forte. Mais je suis toujours aussi puissant avec mes pouvoirs. Cette force arrive vers moi. Elle nage, cette force. Je crois savoir c'est qui. Bonjour, Raz. S'il te plaît, je veux te parler, s'il te plaît. Je ne veux plus la guerre, c'est bon. Hein? Assassin de la flèche. Ah, qu'est-ce que tu veux encore? Recule. D'accord, d'accord, d'accord. Pour commencer, qu'est-ce que tu veux? S'il te plaît, baisse ta lame, s'il te plaît. Je veux juste m'alliance avec toi. Mais pourquoi? Tu as ta flèche, et moi j'ai mon île. Pourquoi me veux-tu? Oui, mais là c'est différent. Je veux me débarrasser de John, une bonne fois pour toutes. S'il te plaît. Alors, check. Bon, d'accord. Bon, par où on commence? Déjà, j'ai un gros poussin buvage à retrouver. Bon, d'abord, suis-moi. Il faut que je t'emmène. Allez, viens, on y va. Parfait, me voilà enfin arrivé à la flèche. Il est temps que je me débarrasse de lui une bonne fois pour toutes. Pour venger Lara. Sois vengé, Lara. Tu m'entends? Sois vengé. Bon, allez en route. Hein? Te voilà enfin arrivé, Raven. Ah, 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 ah. Je vais m'occuper de toi une bonne fois pour toutes. Ah, 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 ah. Tu vas mourir comme ton ami. Cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas, Raz. Tu m'entends? C'est ce que nous allons voir, ma vieille. Allez, il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Prends ça. Ah, continue. Ah, ah. Tes flèches ne me font rien. Continue. Mais elle est beaucoup trop forte, c'est pas possible. Ah! Bon, il ne reste plus grand chose comme flèche. Là, c'est ma dernière flèche. Ah! Tu as vu, j'ai gagné, Raz. C'est la fin pour toi. Fais tes adieux. Non! S'il te plaît, je suis désolé pour ce que j'ai fait. Pardonne-moi. Fais tes adieux. Le mal est fait. C'est trop tard. Je suis désolé, Raz. Non, il n'est pas encore trop tard. Arrête ça, Raven. Hein? Vous? Midas, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Il a tué Lara. Je ne peux pas le laisser en vie. Oui, je sais que cette merde, c'est une merde. Mais bon, les merdes, ils doivent aller en prison, pas mourir. Ah ah. Il a raison. Écoute-le. Hein? Toi, prends ça. Oh! Oh! Je t'ai retiré tous tes pouvoirs. Tous tes pouvoirs sont à moi désormais. Ta main ne peut plus être utilisée en tant que lame. Ah ah. Ah, tu vas me payer. Raz, tu m'entends? Tu vas le payer. Ah. Assez parlé avec toi. Bon, maintenant il faut vite que je sois ici. Non, Raven, vite, on y va, il faut qu'on aille la sauver, dépêchez-vous. Ça va, Raven? Mais quelqu'un a quelque chose pour la Sony ou pas? Non, moi j'ai rien. Et toi, Midas? Non, mais Jones, oui. Restez ici, ramenez-la chez moi, vous en faites pas. Bon, je me dévoue pour la porter. Avec tout le sérum de super soldats qui m'ont mis eux, j'en suis sûr que je peux la porter. Ah, c'est déjà cassé, Marie. Allez, viens, on y va, dépêche-toi. Alors, Julie, l'armure est finie? Oui, c'est bon, c'est prêt. Ah ah, j'arrive.
Tu es magnifique comme ça, Julie. Ah ah. Merci, père. Bon, Condor, qu'est-ce qu'on fait là? On va appeler le patron et dire ce qu'on en pense de l'armure. Allez, venez. Bonjour, patron. Ça y est, Julie a fini son armure. Regardez. Elle est magnifique. Ha ha. En plus, c'est l'armure de Midas. Mais là, elle a vraiment modifié. Et en plus, sur sa cape, il y a notre logo. Ha ha. Bon, pour commencer. Bon, madame, nous. Déjà, Condor, Neymar, allez chercher Mando et Menace, c'est bon, leurs journées de congé sont passées. Et toi, Julie, va chercher le soldat de l'hiver. Il est à Radio Fortnite, ne t'en fais pas, elle n'est pas loin. Heureusement que t'as appris le livre. Ha, ha. Tu vas lui faire lire le livre et voilà. Et ensuite, vous revenez. Et ensuite, aussi une dernière chose, Julie, dis aux soldats de l'hiver d'attendre d'aller tuer des gens, et du coup toi il faudra attendre rasé, et voilà. Bon, allez, je vous laisse, j'ai des choses à faire de mon côté. D'accord, madame, ce sera fait, ne vous en faites pas. On sait que c'est un peu long, on est vraiment désolé Raven, mais je crois Midas il va prendre du temps à trouver Jones. On est vraiment désolé. Eh oh, on ne bouge plus maintenant, retournez-vous. Ma Julie, mais c'est toi, mais qu'est-ce que... Mais tu devais être censée être morte. Taisez-vous maintenant, moi j'ai besoin juste du soldat de l'hiver. J'ai une petite surprise pour toi. Je la nienne. Non. J'avoue. Arrête. C'est mon assiette. Arrête, Julie, qu'est-ce qui t'arrive? Rasviette. Ah. Bitch. Die bitch. Ah. Облак внешний. Возвращение на родину. Один. Грузовой вагон. Alors, soldat de l'hiver, ça va mieux? Oui, beaucoup mieux. Maintenant, dégapissez d'ici, vous deux. Merde, elle est redevenue, soldat de l'hiver. Bon, allez, viens, Raven. On se taille. Dépêche-toi. Allez, viens. Viens, on les effraie un peu. Allez, viens. Eh oh! On va aller beaucoup plus vite! Parfait! On les a bien eu. Bien joué, ça, soldat de l'hiver! Merci! Ça faisait du bien de revenir! Le patron a besoin de toi! Bon, allez, viens, on y va! Et ils sont là! Ils arrivent! Avançons un peu. Hein? C'est qui elle encore? Pourquoi elle nous barre la route? Et pourquoi elle nous regarde? Bonjour, pourquoi vous nous barrez la route? Je me nomme Julie. Et vous devez me suivre. Le docteur Sloan veut vous voir. Surtout toi, Raz. Allez, venez. J'aime pas qu'on me donne des ordres. Ne t'en fais pas. Fais-lui confiance. Allez, viens. Vous s'en faites pas, elle a juste besoin de vous. Elle va juste vous parler sur ces PC là. Bonjour chef, je vous ai ramené Raz. Il est avec quelqu'un, une démon. Te voilà enfin Raz. Et celle à côté, c'est l'assassin de la flèche. Dis donc Raz, tu nous avais pas dit que t'étais alliance avec elle, tu faisais alliance? Excusez-moi de pas vous l'avoir dit, docteur. Bon, quelle sera notre mission, docteur? Votre mission sera de enfin éliminer Midas.
D'accord, madame, ce sera fait, ne vous en faites pas. Eh oh, on ne bouge plus maintenant. Vous allez vous retourner lentement vers moi. Attends. Non, c'est impossible. Julie? C'est toi. Tiens, quand on parle du loup. Ha ha. Ma fille, mais c'est moi ton papa. Je refuse de tirer sur toi. Tu vas payer de m'avoir tué. Maintenant, tu vas mourir. Maintenant. Maintenant, sortez vos lames, vous deux. D'accord, Julie. Fais pas le malin, Midas. Tu es seul contre trois. Fais pas le malin. Sloane l'a ramené à la vie. Elle lui a lavé le cerveau. Je suis désolé, ma fille. Je ne veux pas en arriver là. Mais tu me laisses pas le choix. Ah, non, plus de balles. Non. J'ai oublié d'en faire le plein. Suis-nous et il ne se sera fait aucun mal, Midas. Salut. Vite, rattrapez-le. Vite, venez. Vite, il faut vite que je file d'ici. Rattrapez-le, vite. Vite, il faut vite que je file d'ici. Allez, il nous échappera pas. Vite, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Faut pas qu'on perde de vue. Vite, vite. Ah, parfait. Un pont. Ils sont en train de me rattraper. Ah, heureusement qu'ils m'ont loupé. Vite, vite, vite. Si seulement j'avais des balles, j'aurais déjà bombardé depuis une éternité. Bon, on va avancer un peu de ce côté. Mais c'est Midas là-bas. Aidez-moi. Regarde, Piu-Piu, des méchants, je les connais. Il faut qu'on s'occupe d'eux. Allez, on leur tire dessus. Vite. Midas, bloque-toi derrière l'arbre là-bas, derrière nous. Ne t'en fais pas. Piu, 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 Piu. C'est bon, il se sent fui. Bien joué. Allez, viens, on va revoir. Allez. Encore eux. Mais c'est John. Il y a un autre. Allez, continue. Nous sommes plus forts que vous. Oh merde, il faut vite qu'on file d'ici. Venez. Piou, 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 piou. C'est bon, piou, piou. On les a eus. Allez, viens. Ma pauvre Julie, la pauvre. Heureusement qu'ils se sont occupés d'eux. Il faut que je trouve un moyen de la faire revenir à la raison. Salut Midas. Ça va? Mais qu'est-ce que tu fais là? Et lui à côté de moi, je te présente Piu Piu. C'est un mec de Bleuvage. Piu 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 Piu. Jones, une amie est sur le point de mourir. Est-ce que tu veux bien nous aider? Heureusement que j'ai du soin sur moi. Heureusement, j'ai toujours un kit de soins. Ouf. Parfait, perdons pas de temps. Allez, venez, dépêchez-vous. Parfait, on y est presque. Encore un tout petit peu plus de courage. Tu nous emmènes, nous, là. Tarana, je suis de retour. Tu peux revenir. Tarana, celle qui a tué mon père. Tu as compris. Tu as compris, Raz. Mais on n'a pas le choix. C'est qu'elle que je dois appeler. T'as de la chance que je ne dis rien. Qu'est-ce que je dois faire? Vous avez bien fait de m'appeler. Ça fait longtemps que je voulais vous revoir. Tu vas devoir éliminer Midas. Tu es Midas. C'est parfait pour moi, ça. Ah, ah. Allez, maintenant, vas-y. Occupe-toi de lui. Et me tue-le une bonne fois pour toutes. D'accord, madame, j'y vais. Tu es sûr que ça va marcher le plan, assassin? Tu es sûr que ça va marcher, assassin de la flèche? Tu es sûr qu'elle va le tuer? Elle a déjà tué Transit. Elle ne peut pas échouer. Elle peut tuer Midas. Bon, allez, venez, on rentre. Tu as raison. Parfait, me voilà enfin arrivé. Je suis de retour, moi, Ghost Rider. J'ai besoin d'âme fraîche. Allez, avançons. Bonjour. Ça va, Venom? Ça fait longtemps. Bonjour, Ghost
Ça fait longtemps. Je veux des morts. Toi aussi tu veux des morts, j'imagine. Est-ce que tu veux quelque chose, Venom? Moi, je veux des âmes fraîches. Et ne t'en fais pas, j'ai une âme bien fraîche. Moi, je veux l'âme de Lexa, surtout. Allez, viens, on y va. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Hein? Mon armure! Mais où ils sont? Mais ils sont partis. Mais où est-ce qu'ils sont encore? Ah, c'est pas possible. Ah, ils ont dû piquer mon armure. Un condor, il m'énerve. Il m'énerve, c'est pas possible. Il n'y a personne, c'est pas possible. Où est-ce qu'ils peuvent être encore? Bon, Midas, je vais te donner mon kit en cas où si tu les retrouves. Pour l'instant, là, tu nous amènes à l'île. D'accord, je les retrouverai tout seul. Bon, allez, venez, on y va. Je vais vous... Normalement, c'est ici, normalement, où je dois vous déposer sur cette île. On ne bouge plus maintenant. Vous entendez? On ne bouge plus. Tarana, c'est toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Baisse ton arme, s'il te plaît. C'est moi, Midas. Je crois qu'elle est sur l'emprise de Assassin de la Flèche. Bon, tu as raison. Prenons nos armes. Allez, maintenant, tu bouges plus. Vous allez voir ce que vous allez voir. Il me reste plus qu'une flèche. Il faut pas que je la loupe. Si je la loupe, je suis mort. Piou, 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 piou. Et je comprends pas du tout ce qu'il veut dire, Jones. Moi aussi, Mida, je comprends pas. Bon, assez parlé, finissons-en. Oui, ton petit copain a raison, Midas. Allez, finissons-en. Non! Parfait. Elle a fait sa flèche. Elle est en train de sortir. Oh, il faut qu'on la poursuive. T'as raison, allez, viens. Allez, vite, vite, vite. Je sais où j'aime. Il faut que j'aille sur le pont, vite. Oui, dépêchons-nous, elle est bientôt sur le pont. Allez, elle est sur le pont, vite, vite, vite. C'est fini pour toi, Tarana. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Suis-nous en prison ou tu meurs. Je suis désolé. Fais attention, on est trois et tu es toute seule. Fais attention. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah, mes amis, c'est vous, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi suis-je habillé comme ça? Tarana, mais t'es revenu à toi-même. Mais pourquoi t'es redevenu à toi-même? Parfait, me voilà enfin arrivé. Je suis de retour. Moi, Ghost Rider. J'ai besoin d'âme fraîche. Allez, avançons. Bonjour. Ça va, Venom? Ça fait longtemps. Bonjour, Ghost. Ça va? Ça fait longtemps. Je veux des morts. Toi aussi tu veux des morts, j'imagine. Est-ce que tu veux quelque chose, Venom? Moi, je veux des âmes fraîches. Et ne t'en fais pas, j'ai une âme bien fraîche. Moi, je veux l'âme de Lexa, surtout. Allez, viens, on y va. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Hein? Mon armure! Mais où ils sont? Mais ils sont partis. Mais où est-ce qu'ils sont encore? Ah, c'est pas possible. Ah, ils ont dû piquer mon armure. Un condor, il m'énerve. Il m'énerve, c'est pas possible. Il n'y a personne, c'est pas possible. Où est-ce qu'ils peuvent être encore? Bon, Midas, je vais te donner mon kit en cas où si tu les retrouves. Pour l'instant, là, tu nous amènes à l'île. D'accord, je les retrouverai tout seul. Bon, allez, venez, on y va. Je vais vous... Normalement, c'est ici, normalement, où je dois vous déposer sur cette île. On ne bouge plus maintenant. Vous entendez? On ne bouge plus. Tarana, c'est toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Baisse ton arme, s'il te plaît. C'est moi, Midas. Je crois qu'elle est sur l'emprise de Assassin de la Flèche. Bon, tu as raison. Prenons nos armes. Allez, maintenant, tu bouges plus. Vous allez voir ce que vous allez voir. Il me reste plus qu'une flèche. Il faut pas que je la loupe. Si je la loupe, je suis mort. Piou, 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 piou. Et je comprends pas du tout ce qu'il veut dire, Jones.
Moi aussi, Midas, je comprends pas. Bon, assez parlé, finissons-en. Oui, ton petit copain a raison, Midas. Allez, finissons-en. Non ! Parfait. Elle a fait sa flèche. Elle est en train de sortir. Oh, il faut qu'on la poursuive. T'as raison, allez, viens. Allez, vite, vite, vite. Je sais où j'aime. Il faut que j'aille sur le pont, vite. Vite, dépêchons-nous, elle est bientôt sur le pont. Allez, elle est sur le pont, vite, vite, vite. C'est fini pour toi, Tarana. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Suis-nous en prison ou tu meurs. Je suis désolé. Fais attention, on est trois et tu es toute seule. Fais attention. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah, mes amis, c'est vous, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi suis-je habillé comme ça? Tarana, mais t'es revenu à toi-même. Mais pourquoi t'es redevenu à toi-même? J'ai réussi à rompre le sort. Ah. Oh oh. Ah ah. Non, Tarana, vite, venez. Faut vite qu'on la sorte de là. Vite, venez. Vite, on descend la pote. C'est bon. Vite, 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 vite. Tarana, ça va? Tarana. Tarana, tu nous entends? Tarana. Mes amis, c'est vous. Je suis désolé de vous avoir fait du mal. Je vais mourir. Non, ne dis pas de bêtises. Jones va se soigner. Jones, il te reste encore un kit? Non, je n'en ai plus. Il ne reste que pour ceux qui ont des pouvoirs. Bon, les amis, moi, je m'en vais vers un monde meilleur. Ah ah. Non, Tarana, non. Piou, 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 piou. Je suis désolé. Je suis désolé pour toi, Midas. Mais bon. Bon, je vous accompagne à l'île. Mais où est-ce qu'on est là? On est à Hydrosès. Pourquoi, Midas? Vous avez dit quoi? On est à Hydrosès? Oh oh, ça sent pas bon. Il faut vite qu'on finisse. Venez. Pourquoi, Midas, on file? Parce que c'est le repère des méchants. Il y a Raz, assassin de la flèche, et ma fille qui est devenue méchante. Non, Tarana, non. Mais comment tu le sais? Comment tu le sais qu'elle est morte? Simple, ceux que j'ai possédés, ils sont dans ma tête. Genre là, il n'y a plus personne qui est possédé par moi. Bon, on appelle la patronne. Allô, patronne? Bonjour. Oui, je suis au courant. Tarana est morte. Oui, ça je sais. Mais vous en faites pas. Je vais vous envoyer quelqu'un de plus puissant qu'elle. Qui est-ce, Dr. Sloan? Elle ne peut pas échouer, celle-là. Elle ne peut plus échouer. C'est bon, la voilà. Vous m'avez appelé, madame. Oui, je t'ai appelé. Ne t'en fais pas. Ha, ha, ha. Tu vas en finir avec Midas une bonne fois pour toutes. Le soldat de l'hiver? Bah, c'est parfait, ça, madame. De toute façon, là, j'ai envoyé Condor, Neymar, Mando et Menace à leur recherche. À sa recherche aussi. Nous cherchons Jones, Midas et les sept. D'accord, madame. On vous rappelle dès que c'est bon. Nous, assassins de la flèche, on reste là, avec Julie. Ne vous en faites pas, Midas ne m'échappera pas. Ne vous en faites pas. Bon, moi, j'y vais. Finalement, j'ai une idée qui me vient en tête, Raz. On va aller à l'île. J'ai une idée qui me vient en tête. D'accord, assassin de la flèche, je te suis. Bon, Julie, reste là. Bon, une fois que c'est bon, je les ai déposés. Maintenant, il faut que je retrouve Marie, Chaos et Raven. Ah bah tiens, bonjour Marie. Mais où est Chaos et Raven? Tiens, 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 Midas, maintenant tu ne bouges plus maintenant. Mais, Marie, mais pourquoi tu me vises? Oh non, elle est redevenue le soldat de l'hiver. Quelqu'un lui a fait redevenir le soldat de l'hiver. Je suis désolé Marie, je vais en finir avec toi une bonne fois pour toutes. Je suis désolé. C'est ce que nous allons voir, Midas. Il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Je suis désolé Marie, mais tu me laisses pas le choix.
fut éclaté une date. Non, plus de balles, non. Bon, il est temps d'aller à la main. Prends ça. Je suis désolé, Marie. Tout ça, c'est à cause du sérum du super soldat, si t'es encore fort. Mais j'ai toujours été aussi fort. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, j'ai une idée. Allez, viens! Allez, finissons-en. Et prends ça! C'est la fin pour toi, Midas. Fais tes adieux. C'est la fin pour toi, Midas. Fais tes adieux. Marie, souviens-toi, c'est moi, ton mari, Midas. Jusqu'au bout, je serai là pour toi. Jusqu'au bout, je serai là pour toi. Marie, tu m'avais promis que tu ne séparerais jamais de moi. Et là, tu te sépares. Reviens à la raison. Hein? Mais, c'est quoi cette photo-là? C'est toi et moi, Marie. Hein? Midas, c'est toi? Mais, qu'est-ce que je fais ici? Et pourquoi j'ai une arme? Marie, tu es devenu renouveau à la raison. Tu n'es plus le soldat de l'hiver pour l'instant. Mais j'ai une solution, comment te retirer de cette emprise. Suis-moi. Bon, maintenant que je suis comme ça, Midas, qu'est-ce que je fais? Bon, maintenant, il est temps de te tirer de ça. Jolanien. J'avoue. Simnatset. Ça va recommencer. Rasfiet. Bitch. Diebitch. Vazachini Nalodino. Adin. Glosavoy Wagon. Marie, tu es libre. Tu es libre. Bon, maintenant, allez, viens, on y va. Putain, ils en mettent un temps, ceux-là. Oh. T'inquiète pas, ils vont pas tarder. J'espère que Marie sera de retour. Bon, on va avancer un peu. Attends, mais... Mais ils sont là! Ils sont dans cette maison! Parfait, ça. Bon, viens, dépêche-toi, vite, 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 vite. Entrez, c'est ouvert. Entrez, vite. C'est bon, nous voilà, nous voilà. Je suis redevenu moi-même grâce à Midas. Chaos. Alors Raven, ça va? Tu n'as pas trop mal depuis qu'on est parti? Ça va. Ah. Mais où est Jones? Ses affaires de son côté lui aussi. Il a rencontré un gros poussin de géant en bleuvage. Bon, Raven, c'est bon. J'ai ramené ce qu'il te fallait. C'est bon. C'est parfait ça. Comme ça, on va enfin pouvoir te soigner. Allez, prends. Merci. Allez, mets-le toi. Ah. Ah. J'espère que ça va me soigner. Ah. Ah. Je me sens beaucoup mieux. Ah. Merci de m'avoir sauvé, Midas. Merci du fond du cœur. Mais je n'ai toujours pas mes pouvoirs. Allez, venez, on y va. On rentre. Piu piu. Il n'est pas là. Raz n'est pas là. On dirait vraiment que cette fumée... Ça sent pas bon pour l'île. Piou 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 piou. Maintenant, il faut vite qu'on file d'ici au plus vite. Allez, viens, on y va. On ne bouge plus, vous deux. Retournez-vous lentement vers nous. Vous, mais qu'est-ce que vous me voulez encore? Dégagez d'ici. Tout ce qu'on veut, c'est ton maudit compagnon. Ah, je vais te posséder. Agalata. Piou, piou, piou. Maintenant, dégapis d'ici, Jones. Ou sinon, il va t'arriver à la même chose que ton copain. Non, piou, piou. Je suis désolé, au revoir. Au revoir. Vite, vite, que fait d'ici. Parfait, on l'a eu. Maintenant,
Qu'est-ce qu'on fait, Raz, maintenant? On va refermer lui à Hydrocès. Allez, viens, on y va. Bon, avançons un peu. C'est ici qu'on va enfin pouvoir trouver Jones. Midas, tu ne sens pas une présence ici? Oui, tu as raison, Marie. Je sens une présence familière. Arrêtons-nous un peu. Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous n'avancez pas? Avancez sans nous, ne vous en faites pas. On vous rattrapera. On a juste un petit truc à faire. D'accord. Allez, viens, Chaos, on y va. Bonne chance de votre côté. Toi aussi, Marie, tu ressens cette force. Oui, je sais à qui tu penses, Midas, mais ne t'en fais pas. Un jour, elle retrouvera la raison. Je te promets, on va essayer là. Parfait, ils arrivent. Comme prévu. Bon, ça y est, nous voilà enfin arrivés, Julie. Écoute, ma fille, on n'est pas obligé de se battre, tu le sais. Je vais en finir avec vous. C'est vous qui m'avez tué par le passé et vous devez payer, vous allez mourir. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, Julie, mais c'est faux. Je n'ai vraiment pas envie de te tirer dessus. Je m'en fiche. Tuez-moi si vous voulez. J'en finirai d'abord avec vous. Désolé, ma fille, mais on doit en finir avec ça. Maintenant, mourrez. Ma pauvre fille. Ah. Ma fille, stop tout ce bazar. On va plutôt se battre à autre chose. On va se battre à la lame. Raz m'a prêté sa lame. Nous aussi on a des lames, Julie. Putain, elle fait équipe avec Raz, c'est pas possible. Bon, assez parlé maintenant. Finissons-en. Regarde ma lame, Julie. Elle est vraiment puissante. Reprends-toi, ma fille. Bats-toi et je sais que tu es là. Non, j'ai échoué. Non. Suis-nous, Julie, maintenant. Il ne te aura fait aucun mal. Allez, viens. Eh oh, vous là, ne vous approchez pas de ma fille. Maintenant, Midas, prends ça. Ah, ton mari, prends ça. Ah, bien joué, ça, Condor. Ou devrais-je dire, père. Maintenant, Julie, qu'est-ce qu'on en fait d'eux, du coup? On va les enfermer avec l'autre poussin, là, l'autre gros porc, là. Oui, madame, qu'est-ce que je dois faire pour ça? Tu vas devoir aller au phare. Il y a les sept, là-bas. Et en plus, Paradigm a le sac à dos de Jones. Et comme ça, il va peut-être nous permettre de débloquer la fondation et avoir des réponses sur Geno et les 7. C'est parfait, ça. D'accord, madame, j'y vais. Ne vous en faites pas. Raz, j'ai besoin de toi, s'il te plaît. C'est pour une mission très urgente. Ça y est, nous voilà enfin sortis. Heureusement qu'on est sortis de cette faille. Pourquoi on a activé cette faille? Heureusement, Paradigm, t'as le sac à dos de John sur toi. Oh putain, mais où est-ce qu'on est là? Je crois savoir où on est. On est chez Johnny du bunker. Il pourra peut-être nous aider. Quoi, mais on va chez ce cimbré? Mais c'est un malade, lui. Putain, j'ai pas envie de le voir, lui, c'est un malade. J'ai une idée. On va essayer de lui demander si on peut décoincer la fondation d'ici. Allez, venez, on va le voir. On n'a pas vraiment le choix, de toute façon. C'est dans cette maison où on va le voir. Tiens, mais la porte est ouverte. Imaginez s'il savait où il pouvait nous voir. Je vous rappelle qu'il a déjà eu des visions. Alors, allez, venez, on entre. Salut, mon petit Johnny du bunker. Ça va? Oh, les 7, c'est vous, mais qu'est-ce que vous faites chez moi, vous? Tiens, c'est toi dans cette armure verte? Oui, c'est moi. J'ai un peu changé, tu sais. Et c'est quoi ce que t'as derrière? Ne me dis pas que t'es encore en train de manger une banane. Non, c'est mon coéquipier maintenant. C'est fini où je mangeais des bananes à l'époque. Ça va, banane? Alors? Oui, ça va. Oh, j'espère que j'aurai un nouveau corps, moi. On a quelque chose à te faire montrer, Jones. Nézi, j'espère que ça te rappelle quelque chose. Regarde cet appareil. Tu te souviens ou pas? Oui, c'est l'appareil où Jones, il était parti chercher des chasseurs. Des chasseurs, pardon. Et aussi...
de refermer la boucle et d'enfermer la fondation, votre chef. Oui, mais on a besoin de toi de toute urgence. Comment est-ce qu'on peut débloquer la fondation de la flèche? Ne me parlez pas de la flèche! S'il vous plaît, ne me parlez pas de la flèche! Putain! Je crois qu'il va pas réussir à parler, c'est pas possible. Eh oh! Vous là! On ne bouge plus maintenant! Tiens, tiens, Raz, maintenant tu bouges plus ou je t'abats tout de suite. Wow, 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 baissez vos armes. Ah, putain, il m'énerve celui-là, là. Ah. Mais qu'est-ce que tu veux, Raz? Vas-y, parle. J'ai besoin de quelque chose que Paradigm a dans le sac. Et que ça va bientôt m'appartenir parce que j'en ai besoin. C'est pour la fondation, votre chef. Tu ne l'auras jamais, Raz. Bon, venez, les gars. On se tire au plus vite, venez. Dépêchons-nous. Vite, dépêchons-nous. Faut pas qu'il nous rattrape. Dépêchons-nous. Ah, je ne peux plus bouger. Non. Visiteur, Paradigm s'est fait attraper. On viendra la délivrer plus tard. Mais là, je vais être compétitif. Parfait, un bateau. Je pilote, scientifique. Je pilote. Tu montes. Allez, vite, allez, viens. Je suis désolé, scientifique, pour Paradigm, mais là, on n'a pas le temps. Là, il était à deux doigts de nous tuer. Mais c'est vrai qu'il a la chose la plus importante. Bon, on va se garer ici. Ah. Mais du coup, visiteur, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on va déjà rentrer à la maison pour trouver un autre plan. Bon, allez, viens, on y va. J'espère que Lexa est rentré. Putain. Ah, vous êtes enfin réveillé, vous. Ha, ha, ha. Qu'est-ce que tu feras de nous, Julie? Putain. Ah, attendez, je vais vous balancer un truc. Essayez de boire. Vous pouvez même pas la boire. Déjà, ce que je vais faire de vous, je vais vous allez rester ici. Allez, salut, je peux pas en dire plus. Et surtout, vivez une journée de merde. Putain. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici, ou plus vite. Ah, j'espère qu'on va trouver une solution. C'est bon, madame. Je les ai capturés. Ha, ha. Midas et Marie. Ha, ha. D'accord. Et aussi, je viens d'être informé que Assassin de la Flèche et Raz ont capturé deux autres personnes. Déjà, sur l'île, Assassin de la Flèche et Raz ont capturé le gros poussin qui était avec Jones. Et ensuite, Raz à lui tout seul... Il est parti aller chercher l'un des sept. Il est parti chercher Paradigm. Et en plus, ils avaient l'appareil pour faire sortir le fondateur de la boucle. Du point zéro, quoi, en fait. Et nous, on pourra enfin rentrer dans la boucle. Ha, ha, ha. Et nous gouvernerons ce monde tous ensemble. Ha, ha, ha. Avec notre armée d'esclaves. Parfait. Allez, maintenant. Maintenant, on l'attache. C'est bon. Parfait. Allez, lève tes bras. Parfait. Allez, parfait. Ha, ha. Piou, 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 piou. Mais je le reconnais. C'est le poussin qui était avec Joss. Ils l'ont capturé. Oh non, le pauvre. Je crois qu'ils vont transformer en maléfique aussi. Fait. Nous avons eu le poussin. Nous allons bientôt le transformer en notre esclave. Oui. Ah, Raz, il a besoin de toi. Ce message est pour toi, Raz. Ah, ma tête. Qui me parle? Oh. Ça va, Raz? Tout va bien? Tout va bien, ça va? Oui, mais attends, il faut que je m'allonge. Je vais devoir m'allonger partir. Oh, putain. Hein, mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi suis-je dans un monde de feu? Où est-ce que je suis encore? C'est pas possible. Bon, avançons un peu. J'espère qu'il y a des gens qui pourront peut-être m'aider. Bordel, j'en ai marre de casser ces cailloux de merde. Ça fait maintenant une semaine qu'on est en enfer, ça casse les couilles. Oh, arrête de faire ton charabia, roi du feu, roi des glaces. Arrête de faire des manières, roi des glaces, ou sinon je t'éclate la gueule avec mon feu.
Eh, bande d'imbéciles, taisez-vous, vous deux. Vous avez plus de pouvoir, je vous rappelle. Mon père, il en a un petit peu, mais bon. Hein? Les méchants? Mais papa? Ma soeur? Mais qu'est-ce que vous faites là? Bonjour mon fils. Tu as reçu notre message comme prévu. Ah ah ah. C'est ça les bruits que j'entendais dans ma tête. Oh, vous m'avez fait peur, c'est pas possible. Ah mais je te connais toi. T'es fils de transit. Ah, tu vas le payer. De m'avoir mis en enfer. Bon, mon fils, j'ai quelque chose à te dire. Comme tu le sais, tu as tué Lara. Et Raven, elle est toujours aussi en colère. Mais ça va, tu as privé de ses pouvoirs. Tu lui as privé de ses pouvoirs. Je vais te donner encore un peu plus de force. Et comme ça, tu seras le maître du monde. Mais vraiment le plus grand maître du monde. Ne vous en faites pas, père. Je ne vais pas vous décevoir, je vous le promets. Et en plus, tu t'es alliancé avec l'Institut Onirique. En plus, ça, c'est vraiment une bonne idée. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de méchants. Ha, ha. Tu vas devenir le roi du monde, mon fils. En plus, avec Julie à tes côtés. Ah, ah. Bon, mon fils. D'abord, ta sœur va te donner un peu plus de sa puissance. Et ensuite, je te donnerai la mienne. Vas-y, Galaxia, commence. Voilà. Ta force est très puissante, ma sœur. À mon tour maintenant, mon fils. Voilà qui est bien mieux maintenant. Maintenant, mon fils, tu peux y aller rentrer dans le monde réel. De rien, de t'avoir donné la puissance. C'est vraiment la plus seule puissance qu'on peut te donner. Merci, père. Je ne vous décevrai pas. Bon, maintenant, j'y vais. Au revoir. Bon, maintenant, on fait quoi maintenant qu'il est parti? Faut qu'on se remette au boulot, sinon le diable, il va vraiment pas être content. Mais où ils sont? Je suis toute seule maintenant. J'espère qu'ils ne sont pas morts. On n'est plus très loin. Parfait. Je suis toute seule. Hein? On dirait des pleurs. Dans la maison, il faut que j'aille voir. Je crois que c'est Alexa. Oh non, les 7. Ne me dis pas qu'ils sont pas là encore. S'ils sont pas là, je me dis, allez, vite. Alexa, ça va? Pourquoi tu pleures? C'est toi. Mes parents, mon père, il n'est pas là. Je sais pas où il est. Et les autres 7 aussi. Ton sac à dos ici. Je crois qu'ils ont fouillé ton sac à dos. Ah, c'est gredin, ils ont fouillé mon sac. C'est pas possible, ils m'énervent. Bon, c'est pas grave. Bon, maintenant, Alexa, suis-moi. On va aller à la flèche. Peut-être qu'ils y sont, peut-être encore là. Oui, c'est pas bête, ça. Merci, Jones. C'est pas bête. Je crois qu'ils ont essayé de prendre mon appareil pour débloquer leur chef. C'est le seul moyen. Bon, maintenant, viens, on y va.